sail depart, there was. Et dès le signal de départ de la clôture, Cam Fella, on the extreme outside à l'extérieur tout à fait, c'est Mackenzie Almarist, entre deux adversaires, Ambro Acton, quatrième fourth outside, Cole Harper, cinquième fifth alongside the Bill Post Scott's Blue Chip. Maintenant sixième dans sixth merger, septième seventh Ambro Hossi, et huitième a été Caris Obel, threading the field à l'arrière du peloton. On se dirige vers le poteau du 4000, heading for the quarter mile pole, qu'on franchit en 27-4, 27-4, at the quarter mark. En tête, on top, c'est Ambro Acton, à l'extérieur, outside, challenging Mackenzie Almers. Troisième, third, Cam Fella, quatrième, fourth, Bo Scott's Blue Chip, cinquième, fifth, outside, c'est Merger, alongside de Bela, la clôture, Cole Harper, et Caris Lobel, too wide, and after Bela, Ambro Hossi. On dirige vers le poteau du 2000, heading for the half mile pole, en tête, on top, after Bela, à la clôture, Mackenzie Almers, 56 et 1 à la demi, 56 and 1, at the half mile pole, Mackenzie Almers, à l'extérieur, outside, Cam Fella, is challenging and on top, Cam Fella a pris du devant, deuxième, second, Mackenzie Almers, troisième, third, outside, Ambro Acton. Maintenant, quatrième dans Fort, Bo Scott's Blue Chip. Atterville, c'est Cole Harper. Sixième, sixth, outside, c'est Merger. Atterville, Ambro Hossi. Et à l'extérieur, c'est Caris Lobel. On a franchi le poteau du 3/4 de mille. 1.25 au 3/4 de mille. 1.25 flat at the three-quarter mark. And let's watch that Philly timer. Surveillez bien le chronomètre. On vient compléter. Coming down to the wire. What a race! Quelle course! À la clôture et en tête. Atterville on top, Cam Fella. Deuxième, second, on the extreme outside merger, Ambro Acton, à l'extérieur tout à fait, Caris Lobel, the winner of the 1982 Prix d'été, le vainqueur, Cam Fella, les voici, here they are.